Merci à Stéphanie Agosso. Et je vous propose, comme j'avais dit tout à l'heure, de garder les questions et les commentaires à la fin de nos conférences aujourd'hui. Et maintenant, j'ai des motions, comme d'habitude. Je vais vous présenter notre troisième invité pour aujourd'hui. C'est aussi notre collègue Daniela Radel qui arrive. Bonjour Daniela, bienvenue. Nous passons à la dernière intervention d'aujourd'hui. Monsieur Marius Dihets est tout d'abord professeur. Il est lecteur universitaire à la faculté de lettres, Université d'Orada. Mais il est aussi, de ce point de vue, il a le même statut que j'ai à l'Université libre de Bruxelles. Il est lecteur de langue, littérature, culture et civilisation à l'Université Comenius de Bratislava. Marius Mihets est docteur en philologie de l'Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, avec une thèse portant sur la prose de la génération 60. Mais quand il se présente normalement, Marius préfère ne pas se présenter en tant que professeur, mais il se présente plutôt en tant que critique et historien littéraire. Et c'est à bonne raison, car il est chroniqueur littéraire à la revue Romania Literară, la Roumanie littéraire, et rédacteur associé à la revue Familia, la famille. Et il a publié plus de 600 articles dans ces revues, mais aussi dans d'autres revues culturelles. Et alors, qui aurait pu parler mieux des revues de littérature roumaine pendant le communisme que quelqu'un qui a écrit lui-même des revues en entier? Merci d'avoir accepté notre invitation, Marius, vous avez la parole. Et j'avais oublié de mentionner, Marius vorbește românește et Stéphania et moi, on va assurer à tour de rôle la traduction en français. Marius, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și ai cuvântul. Te ascultăm. Merci beaucoup. Vreau să remarc ce a spus domnul Delriu despre Istrati, extraordinar comentariu și de asemenea prezentarea Ștefaniei. Înainte de a vă spune câteva lucruri, aș vrea să fac o legătură cu prezentările colegilor. Ok. Se vede? Eu vă văd, așteptam pe fete să vă salut, domnul Popovici. Așteptam pe... A început sau urmează? Colegele trebuiau să traducă, cred, începutul meu. Nu, dar e puțin neclar. Începe la 5 sau 5 jumătate ora Bruxelles? Se încheie la 5 și jumătate. Nu, la 6 jumătate ora României. A României, da. A început, da? Da, a început de oră. Scuze, eu am văzut 5 jumătate ora Bruxelles, pardon, da, scuzați.
Așteptăm pe Alice. Ștefania, ne auzi? Ne poți să spui ce am spus eu? Nu, nu te auzim. Nu vă auzim. Nu mă aude? Pe dumneavoastră, da, pe Alice și Ștefania. Nu le auzim. Da. Ok. Pardon. Oui, am tradus deja. Este în regulă. Ah, e perfect atunci. Ok. Aș vrea să amintesc în continuarea celor spuse de colegii mei două concepte. Il voudrait voilà, seulement souligner deux concepts. Primul, Holodomor din ucraineană. Ok. Le concept que je répète pas parce que j'ai mal entendu en ukrainienne, ok. Care înseamnă exterminare prin înfometare. Qui signifie exterminer par la faim. Și termenul a fost consacrat de un polonez, un jurist, și apoi preluat de Jacques de Saint-Victor. Ok, donc et le terme a été inventé par par un journaliste polonais et après prélué. Juriste, non. Pardon, par un juriste, pardon. Juriste. Și termenul se referă la tentativa de exterminare a ucrainienilor de acum 100 de ani. Et ce terme se réfère à la tentative d'extermination des Ukrainiennes qui a eu lieu il y a 100 ans. El s-a transformat în ceea ce știm astăzi că se numește genocid. Et cela se transforme dans ce qu'on voit aujourd'hui et qui s'appelle génocide. În al doilea rând, conceptul, dacă putem spune așa, de roșu, rouge. Et donc le deuxième concept, c'est le concept de rouge. O culoare în aparență. Seulement une couleur, dirait-on. Dar pe care rușii au furat-o de la francezi. Mais que les Russes ont volé de français. Ils ont volé cette couleur de français. N-a mai fost vorba doar despre revoluțiile din 1789 și 1792. C'était pas seulement donc ils ont détourné la révolution française qui ont eu lieu sur le territoire de la France. Ci roșul a devenit o culoare a exterminării din nou a muncitorilor de către și a țăranilor de către capitaliști. Mais le rouge est devenu dans le symbolique des soviets la couleur d'extermination des paysans et des ouvriers par les capitalistes. Asta așa ca fapt fun fact, ca un fapt simpatic, în mod negativ. De ce astăzi toate revoluțiile sunt roșii? Sau de ce toate partidele de stânga socialiste stau sub această culoare? Et donc il explique pourquoi aujourd'hui toutes les révolutions sont rouges et pourquoi toute la gauche s'assemble sur cette couleur qui était volée. Bun. O să vă vorbesc puțin despre ce s-a întâmplat în România, apropo de această teorie de comunismul bolșevic și comunismul trotskist în România anilor 50. Donc sa présentation porte sur le communisme bolchevique et le communisme trotskiste dans la Roumanie de 1950 ou la Roumanie des années 50, pardon. Ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina s-a întâmplat în România acum 80 de ani. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine s'est déjà passé en Roumanie 80 ans. Tinerii studenți intelectuali ca voi erau fie înrolați în armată, fie erau nevoiți să facă cursuri cum puteau. Donc les jeunes étudiants comme vous étaient soit dans l'armée, soit ils faisaient des classes, ils étaient des étudiants, chacun selon ses pouvoirs.
De aceea s-au și numit generația războiului. C'est pour ça qu'ils ont porté le nom de la génération de la guerre. Dar ce faci dacă vrei să devii scriitor sau un creator? Mais în aceste timpuri. Da. Mais quoi faire si on voulait devenir un écrivain, un créateur dans ce temps-là? Încerci să ocolești. Il faut contourner. On essaie de contourner. Restricțiile regimului. Les restrictions du régime. Să ne închipuim că te plimbi seara pe stradă. On s'imagine quelqu'un qui se promène le soir dans la rue. Ești tânăr student, ești fericit, ești îndrăgostită. On est jeune, un étudiant, on est amoureux ou amoureuse. Și nu ai voie să râzi. Et on peut pas rire. Dacă râzi, soldații din jur, sau milițienii, cum se numeau, puteau considera orice. Si on riait, les soldats qui étaient dans la rue ou les militias, quand on parlait ça en Roumanie, pouvaient considérer ça comme affront, comme un attaque. În al doilea rând, gândiți-vă că nu ai voie să citești orice. Et après, il faut penser qu'on ne peut pas lire ce qu'on veut. Încă din 1945, intelectualii români, tinerii intelectuali români, au fost fie închiși, fie exterminați, fie cei norocoși au rămas în Occident. À partir de 1945, tout jeune intellectuel, tous les intellectuels roumains ont eu trois chemins. Soit ils étaient fermés dans les prisons, soit ils étaient exterminés, soit pour les plus heureux, pour les plus chanceux, pardon, ils ont fui dans l'Occident. De exemplu, dacă citeai o pagină din Cioran, puteai să fii condamnat la peste 10 ani de închisoare. Par exemple, si on lisait une seule page de Cioran, qui est un philosophe roumain d'expression française, on pouvait avoir une peine de jusqu'à 10 ans de prison. Asta însemna, în termeni juridici, muncă silnică pe viață. Et dans le terme juridique, on pouvait même parler de travail journalier, travail forcé à vie. Cam la fel de absurd era precum destinul lui Jean Valjean din Les Misérables. C'est d'une absurdité comparable au destin de Jean Valjean de Misérables de Victor Hugo. Jean Valjean furase o pâine. În România, dacă citeai o carte sau o pagină sau o scrisoare, erai condamnat. Jean Valjean a été condamné pour avoir volé un pain. En Roumanie, on pouvait être condamné pour avoir lu une page, une lettre. Prin urmare, o să vă întrebați de ce tinerii intelectuali, scriitori români, erau mai îngroziți de o ideologie decât de război. Et donc, c'est normal qu'on se demande pourquoi les intellectuels étaient... ils avaient plus peur d'une idéologie que de la guerre. Și vă voi răspunde printr-o celebră anecdotă din epoca comunistă. Et donc, il va raconter une célèbre anecdote de l'époque communiste en Roumanie. La radio Erevan, un ascultător întreabă. À la radio Erevan, quelqu'un sonne et demande. Cei care au inventat comunismul au fost oameni de știință? Est-ce que les inventateurs du communisme ont été des scientifiques? Il se răspunde. Et on lui répond. Nu. Non. Dacă erau oameni de știință, l-ar fi încercat mai întâi pe animale. S'ils étaient des scientifiques, ils auraient essayé ça premièrement sur les animaux. Anecdota aceasta devenise o realitate încă din 1945. Et c'est une anecdote qui était devenue en réalité à partir de 1945. Armata rusă era la fel de eliberatoare cum este astăzi în Ucraina. Et l'armée russe était aussi libératrice qu'aujourd'hui en Ucraine. Prin urmare, ce puteau să facă tinerii scriitori? Donc qu'est-ce que les jeunes écrivains pouvaient faire? După război a urmat
totalitarismul. Parce qu'après la guerre en Roumanie, il y avait le totalitarisme. Teroarea morții a fost înlocuită cu teroarea existenței. Donc il y a la terreur provoquée par la mort qui a été remplacée par la terreur provoquée par l'existence même. Ca să înțelegeți, ne găseam în plină ficțiune distopică. Donc pour bien comprendre, la Roumanie à ce moment-là se trouvait et vivait une pleine dystopie. Oui. Ca în romanele lui Evgeni Zamiatin, Noi, George Orwell, 1984 sau Constantin Virgil Gheorghiul, Ora 25. Donc il y a plusieurs auteurs qui ont écrit sur ce sujet de dystopie et le plus connu ici, je pense que c'est le Orwell 1848. Avec son bouquin 1848. George Orwell, qui a écrit également La ferme des animaux, mais il a ce bouquin 1848. 88, désolé, autant pour moi. Ouais. Probabil că pentru noi, pentru români, cea mai puternică a fost, distopia a fost cea lui Gheorghiu, dar ea a apărut în Franța, în 1949. Et donc pour les Roumains même, la dystopie la plus puissante, la plus parlante était la dystopie décrite par Gheorghiu qui est apparue, pardon Marius, tu peux répéter? En 1949, à Paris, en français. Donc c'est apparu en 1949 à Paris, en français. Prin urmare, ce puteai să faci dacă ești tânăr, cărțile sunt arse, nu ești liber nici pe stradă, nu poți să publici. Nu existi. Donc quoi faire? Tes jeunes écrivains, les bouquins où tu veux écrire, les bouquins sont brûlés. Tu te retrouves un peu toute seule dans le vide, dans la rue. Tu peux pas publier. Tu n'existes pas. Exilul devenise imposibile. Et l'exil devient impossible. Iar țara era o patrie închisoare. Țara devenise o închisoare. Conceptul de patrie închisoare. Donc le pays était devenu la patrie prison. Grand prison. Ouais. Facebook-ul în acea vreme, corespondentul pentru Facebook în acea vreme erau revistele literare. Deci pentru tineri intelectuali, comunicarea se făcea numai prin aceste reviste. Și dialogul, orice formă de dialog. V-ați blocat. Pardon, Marius, te-am pierdut pentru un moment din cauza internetului. Okay. Am spus că pentru generația gen războiului, Facebook-ul lor erau revistele literare. Asta am tradus. Ah, bun. Deci nu puteau să comunice decât prin reviste. Și atunci tot ce aveau la îndemână era rezistența prin cuvinte. Donc la seule manière de communiquer c'était par les revues, d'accord, et c'était une sorte de résistance par les mots. Revistele literare aveau tiraje mari și cititori profesioniști. La revue littéraire avait sortait dans des tirages assez impressionnantes. Et des lecteurs qui étaient un peu des professionnistes, qui lisaient de spécialistes, qui lisaient de tels articles. Toți scriitorii tineri citeau direct în franceză pe Descartes sau Voltaire, direct în germană pe Schopenhauer sau Nietzsche. Donc à ce moment-là, il faut savoir que tous ces jeunes intellectuels roumains parlaient plusieurs langues. Et donc, il y avait la possibilité de lire en original Descartes, Voltaire, même Nietzsche en allemand. Donc, on parlait d'une Roumanie qui parlait beaucoup de langues. Ouais. Așa era toată generația. Donc, toute cette génération intellectuelle, jeune intellectuelle, était comme ça. Și brusc, cenzura, propaganda, regimul stalinist interzice orice formă de comunicare culturală.
Et brusquement, sur le champ, il y a la censure, la propagande qui interdit toutes sortes de communications culturelles. Și o să vă dau un exemplu ca să nu vă plictisesc. Necunoscut, din păcate, nici în România, pe care l-am descoperit, în revista Teatrul din anii 50. Mm-hmm. Et donc, il va nous donner un exemple, encore malheureusement mal connu, même en Roumanie. Donc, c'est paru dans la revue Théâtre dans les années 50. Din București. Donc, c'est de Bucarest, la capitale. Aici se întâlnesc tineri intelectuali din Cluj și din București, la această revistă. Et donc la revue, c'est une occasion de rencontre entre des jeunes intellectuels de Bucarest et de Cluj. Cluj, c'est une autre grande ville de Roumanie. Nu aveau nicio legătură cu teatrul. Et ils n'ont pas vraiment de lien avec le théâtre. Sunt absolvenți de filozofie și de litere. Ils sont des gradués de philosophie et de lettres. Pe de o parte, clujenii fuseseră ucenicii lui Lucian Blaga, mare filozof român și poet român. Et donc ceux de Cluj étaient un peu ils avaient été des étudiants, on va dire, de Lucian Blaga, qui est un philosophe et auteur roumain très très connu. Care a fost interzis de regimul comunist. Qui avait été interdit par le régime communiste. Și prin extensie, toți ucenicii lui fuseseră îndepărtați din orice post. Et donc, par extension, tous ces étudiants étaient devenus des persona non grata. Ils n'avaient plus l'accès à des postes, à du travail intellectuel. Se întâlnesc la București cu Constantin Tsoiu, un prozator încă necunoscut. Et donc, tout ça, il y a une rencontre à Bucarest avec un prozator encore inconnu à ce moment-là, Constantin Tsoiu. Și pentru a supraviețui, deci nu pentru a se remarca, ci pentru a supraviețui, Tsoiu le oferă traduceri. Et donc pour les aider, pas pour le faire se remarquer parce que c'était impossible du moment qu'ils étaient des persona non grata, mais pour les aider à avoir quelque chose à manger, il les offre à traduire. Donc ils aident à faire des traductions. Iar banii ajung la acești prieteni doar că actele sunt făcute pe numele lui Tsoiu. Et donc il y a toute une procédure pour le donner l'argent parce qu'on pouvait pas le payer directement du moment où ils étaient en disgrâce. Et donc pour le payer, c'est Tsoiu qui doit signer pour l'argent comme si c'était lui qui avait fait les traductions. Un fel de evaziune fiscală. Donc oui, c'est une sorte d'évasion fiscale, mais dans le but d'aider de les étudiants. Intellectuali clujeni se numeau Ștefan Augustin Doinaș, Ion Negoițescu, Nicolae Balotă. Donc les intellectuels s'appelaient Ștefan Augustin Doinaș, voilà ce qui est très très connu, et les deux autres, pardon. Apropo, o paranteză, Nicolae Balotă a scris și o istorie a literaturii franceze. Et Nicolae Balotă, comme courte parenthèse, a également écrit une histoire de la littérature française. Și a și predat în Franța. Et a été d'ailleurs un professeur, il a enseigné en France. Bun. Ce fac ei la revista Teatru? Et qu'est-ce qu'ils font comment ils collaborent avec cette revue Théâtre? Ei scriu cronici de cronici dramatice, cronici la spectacole de operă. Donc, ils écrivent des chroniques, ils écrivent des revues sur des pièces de théâtre, sur des opéras. Dar sunt simple pretexte pentru a se desfășura intelectual, așa cum doresc. Mais bon, bien entendu, ça c'est un déguisement pour qu'ils puissent avoir une activité intellectuelle comme ils le désirent. Prin urmare, ca într-un roman polițist, et donc, comme dans un roman policier, ei se
se reunesc în locul cel mai bine ascuns. Ils doivent se réunir, ils doivent se rencontrer dans un lieu bien caché. La vedere în revistele literare. Donc, fiind la vedere. Et donc ça, c'était vraiment bien se cacher, c'était, bah, on est là dans la revue littéraire, mais on n'est pas vraiment là. C'est, tout le monde le voyait, on ne le voyait pas. De exemplu, Tsoiu era expert în teatru antic și în comedia de l'arte, dar așa cum le știa un filolog. Par exemple, Tsoiu était devenu un expert dans les comédies de l'arte et du théâtre antique. Știa foarte bine latină. Il parlait d'ailleurs très très bien latin. Și se referă la un moment dat la teoria gestului în dramaturgie. Et à un moment donné, il se réfère à la théorie du geste dans la dramaturgie. Și aici folosește o celebră, un celebru aforism. Un celebru aforism. Totus mundus agit histrionem. Oui, et là, lui, l'auteur d'un célèbre aphorisme, voilà, qu'il a dit en latin, tout le monde agit d'une manière histrionique, je pense que ça on dit en français. Care se poate traduce în mai multe feluri și Tsoiu știa asta. Qui peut se traduire de plusieurs manières et Tsoiu, il connaissait ça. În primul rând, se găsește pe fațada de la Globe Theatre din Londra. Premièrement, c'est quelque chose qu'on peut lire sur la façade de Globe Theater Shakespeare de Londres. Și în piesa As You Like It, de cele mai celebre. Și care s-a traduce? Dans la pièce shakespearienne et qui pourrait se traduire As You Like It. Care s-a traduce prin lumea întreagă este o scenă. Donc la pièce s'appelle As You Like It et, en anglais et on pourrait traduire tout le monde est une scène, tout le monde ouais. Și toți oamenii sunt actori. Et tout le monde y est un acteur. Prin urmare, ce voia să spună? Toți ne prefacem că suntem cronicari dramatici, că suntem o țară liberă, că trăim într-o democrație. Que tout ce que spunem este adevărat. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'était tout le monde joue dans cette pièce de théâtre, tout le monde, en effet, joue comme si on était vraiment un pays libre, comme si on était vraiment des chroniqueurs dramatiques, ce qui n'était pas vrai. Fiindcă pactul cu cititorul, fiindcă există unul, parce que le pacte avec le lecteur, parce qu'il y en a un, era unul de adâncime, adică în textul lui Shakespeare apărea și o continuare, o explicație. C'était un pacte de profondeur parce que dans le texte de Shakespeare, il y avait une autre partie qui suivait, care spunea că mai multe roluri joacă omul în viață. Qui disait que l'homme dans sa vie joue plusieurs rôles. Sau un alt exemplu, tot în revista Teatru, când dedică un articol întreg lui Antoine de Saint-Exupéry. Un alt exemplu, toujours dans cette revue Théâtre, où on dédie un articol à Antoine de Saint-Exupéry. Mai precis despre Terre des Hommes. Plus précisément sur les Terres des Hommes. Și îl aseamănă pe Exupéry cu un Icar modern. Exupéry, il est décrit comme un Icar modern. Dar care nu a apucat să cunoască și pacea terestră. Mais qui n'a pas connu la paix terrestre. Bun. Și spune că Exupéry s-a risipit ca un fum în eter. Et l'auteur de l'article dit que l'Exupéry s'est envolé comme de la fumée dans l'éther. Bun. Deci, ce fac de fapt acești scriitori la revista Teatru? Ei propagă cele mai subversive idei culturale și filozofice ale timpului.
Et donc, qu'est-ce qu'ils font les jeunes intellectuels qui ne pouvaient plus écrire d'eux-mêmes? Ils se déguisent pour quand même laisser passer des idées subversives, voilà, à leurs lecteurs. De ce doar aici se întâmpla acest lucru, doar la revista Teatrul? Era pentru că la conducere aveam un dramaturg cunoscut, Camil Petrescu. Et pourquoi ça c'était quelque chose de très localisé, que ça se passait seulement à la revue Théâtre et pourquoi pas dans les autres revues? Parce que, en effet, le directeur de cette revue était un dramaturge très connu, Camil Petrescu. Care pactizase cu regimul comunist. Qui avait été partisan du régime communiste ou collaborateur. Nimeni nu s-a gândit că actorii, teatrul, scena în general pot fi luate în serios. Et personne en Roumanie pensait que les acteurs et le théâtre en général pouvaient être pris en sérieux. Și atunci Balotă, Doinaș, Negoițescu și Țoiu profită de această libertate subversivă pentru a-și scrie niște texte extraordinare. Et alors, Balotă, Doinaș, Țoiu profitent de ça pour écrire des textes extraordinaires. Povestea, ca să închei, povestea se termină trist, ca orice poveste din comunism. Et donc, pour arriver vers la fin, malheureusement, comme toute histoire du communisme, cette histoire également a une fin, connaît une fin tragique. A fost de ajuns o scrisoare de-a lui Cioran și un text de-a lui Constantin Noica, un coleg de generație. Donc, poți să continui fraza? A fost de ajuns, n-a fost nevoie decât de o scrisoare și un text de-a lui Cioran ca să fie condamnați toți la mulți ani de închisoare, peste 20 de ani. Il a suffi d'une lettre de Surin et d'un texte de Constantin Noica, qui est un philosophe romain, pour que tous ces jeunes soient condamnés pour plusieurs années de prison. Singurul care a scăpat a fost Țoiu, fiindcă a lipsit la ședința, la întâlnirea care dezbătea textul lui Noica, alături de un text semnat de Thomas Mann. Donc le seul qui a échappé belle, c'était Tsuyu, parce qu'en effet, il a manqué la séance de la revue, ou la séance de comité, la réunion, où ils ont décidé de publier ce texte. Sfârșitul pe fiecăruia este destul de ambigu. Pentru că unii au fost condamnați, alții au colaborat într-o formă sau alta, iar alții au rămas demni până la sfârșit. Et donc parmi eux, il y a des gens qui ont collaboré, il y a des gens qui ont été condamnés, il y a des gens qui ont préféré garder leur dignité, voilà, jusqu'à la fin. De exemplu, Nicolae Balotă a fost arestat în tren. Par exemple, Balotă, il a été arrêté dans le train. Și pentru că se temea de percheziții, își ducea cărțile periculoase într-o valiză peste tot. Et parce qu'il avait peur qu'on arrive chez lui, fouillé chez lui, il portait toujours ses livres dangereux dans sa valise partout. Când a fost arestat, a spus că nu este al lui Geanta, nu știe. Et donc, și astfel a scăpat de condamnare pe viață. Donc il était arrêté, il a dit c'est pas ma valise, je ne sais pas à qui ça appartient, et on n'a rien trouvé chez lui, et donc ça, il a échappé à une condamnation pour la vie. Hein. Interesant este, partenerul din fața lui, călătorul din fața lui, a înțeles din priviri despre ce este vorba și a salvat acea valiză în care se găsea un celebru manuscris. Et donc, ce qui est intéressant, que son camarade de chemin, donc quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'était seulement deux hommes qui croisent chemin, a compris en regardant la scène que
que dans cette valise, c'est quelque chose de précieux, et a sauvé cette valise où il y avait un manuscrit célèbre et précieux. El stă la baza poate celui mai bun, unei capodopere, de fapt, memorialistice românești, Abisul Luminat. Et donc, c'est ce manuscrit qui reste à la base d'une, d'une chèvre d'œuvre, pardon, une chèvre d'œuvre qui s'appelle l'Abisse Luminat. Luminé. Ouais. Și a caietului albastru. Et du cahier bleu. După célèbre titre à lui, Kierkegaard. Qui fait référence au célèbre titre de Kierkegaard. Astfel se încheie această frumoasă aventură subversivă a tinerilor intelectuali români de la revista Teatru. Et donc voilà la fin de cette tentative subversive des jeunes intellectuels roumains qui travaillaient à la revue Théâtre. De la lumea ca joc, la lumea ca închisoare. De, on part de du monde comme un jeu où on joue au monde prison. Merci beaucoup. Merci.